At last! I got you! You know, you are a very hard person to reach. But then, so is Yusuf Amir. So this is a very special occasion. A meeting of titans! Now, let me open the kimono and show you my business. I want you to invest in a partnership. There is a chain of salvage yards going into administration. Buy one of them, and it will be the start of something very profitable. Well, come on, what more do you need to know? Let's pull the trigger. Come on, baby, let's hustle, let's grind, let's make some paper. I'll be in touch. Salut tout le monde, c'est Axel Éponge, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur GTA 5 pour nouveau DLC, nouveau business. Ça y est, enfin un nouveau DLC. J'espère que ça va être rentable pour tout le monde. En tout cas, je l'espère. En attendant, je vous invite de cliquer sur like, de partager. Et puis toi qui n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour ne rien rater sur cette chaîne. Et je vous dis bon visionnage à tous. Bon, là, je vais me rendre à... comment il s'appelle déjà? C'est tellement vide, j'ai pas eu le temps de regarder. Donc là, je vais aller à ce point qui se trouve juste ici. Youssouf, ouais, voilà, Youssouf, je vais aller voir Youssouf. Ah, mais c'est à la case ici, ok, d'accord. Je me disais bien qu'il va se passer quelque chose. Donc là, il y a le petit point jaune. J'imagine qu'il faut que je rentre dedans pour accéder à nouveau contenu. Contacte Youssouf Amir. Bon, on va le contacter, hein. At last! I got you! You know, you are a very hard person to reach. But then, so is Yusuf Amir. So this is a very special occasion. A meeting of titans! Now, let me open the kimono and show you my business. I want you to invest in a partnership. There is a chain of salvage yards going into administration. Buy one of them, and it will be the start of something very profitable. Well, come on, what more do you need to know? Let's pull the trigger. Come on, baby, let's hustle, let's grind, let's make some paper. I'll be in touch. Ok, donc ça promet, ça a l'air de promettre, mais bon, comme d'habitude, on nous promet pas mal de choses. J'espère que ça va être solo, c'est tout ce que je veux, c'est que ce soit solo. De nouvelles armes disponibles à l'achat chez Amination et chez Miss Bank. Donc il y a forcément encore des trucs achetés. Donc que Miss Bank, ça fait longtemps que je ne suis pas y aller. Hop. Argent. Miss Bank, ok. Et donc j'espère que ça ne va pas me coûter cher. J'ai pas beaucoup d'argent. J'ai pas beaucoup d'argent, c'est le cas de le dire. Hop, non, c'est pas là que je voulais aller, mais bon. Donc là, c'est foreclosure normalement. Hein. Hop. Foreclosure, voilà. Ah, donc là, il y a de nouveaux trucs. Qu'est-ce qui est marqué? Hop. Donc, ok, donc c'est, là, ça va être l'entrepôt pour. Alors, vous cherchez une propriété charmante et unique, alors sachez que le dernier propriétaire est mort, écrasé par le pont élévateur, comme par hasard. Mais tout le caractère que lui confère cette anecdote n'a pas fait grimper son prix de vente pour autant. Ok, donc là, c'est comme le précédent, il faut que je regarde les emplacements. Ok, les emplacements. Bon, est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, attendez, je dézoome un petit peu. Il y en a, ok, vers là-bas. Mais bon, je vais acheter dans la ville. Hein. Je vais acheter dans la ville parce qu'on sait tous que ça va toujours à la perpète, comme à chaque fois. Donc là, c'est à peu près au centre de la ville, ici. Ou alors, ici, peut-être. Bah là, il faut pas que je sois à côté des concurrents. Hein. Ah, c'est l'autre bout de la ville, ça, par contre, ça va être un peu chiant. Ah, je vais prendre à la sortie de la ville, tiens. Hop, même si ça prend un petit peu de... Ouais, ici, c'est bien, ici, c'est parfait. Je vais prendre à la sortie de la ville, c'est un petit peu stratège, tout ça. Hein.
Donc du coup, ça me coûte combien? Ah, j'ai quitté pas. Attendez, hop. Et là, c'est Santa qui m'envoie en même temps des trucs, des missions. Donc ça coûte combien? 2 420 000. Ok. D'accord. Donc ma couleur préférée. Bon, je vais prendre couleur rouge. Allez, bleu peut-être. Bon, allez, je vais prendre rouge. Je trouve que rouge, c'est beaucoup mieux. Donc là, on a déjà payé 2 400 000 plus 75 000. Ok, bon, ça va rajouter un chiffre, ça va grimper, on sait tous, hein, ça va grimper. Attendez, est-ce que j'ai... Ouais, j'ai choisi rouge, ok. Tarifs spéciaux, bon. Hop, donc forger des liens avec les entreprises locales n'a pas de prix. Ou alors il est très raisonnable. C'est pourquoi après un paiement unique, vous profitez de promotions lors de vos recours à la mutuelle Morse et vos réparations de véhicules chez LS Custom. Donc là, ça commence à être salé déjà. Hein, ça commence à être salé. Pour l'instant, ça va. Voulez-vous gagner votre vie en démantelant des véhicules grâce à votre propre service de remorquage? Alors investissez dans la solution de remorquage la plus prestige de Vapid, ou rabattez-vous sur la solution moins prestigieuse. Donc il y a une solution, il y a, hop, ça peut-être, attendez, on va voir. Ah bon, on va dire, j'ai de quoi payer, donc je vais pas faire le radin. Donc déjà là, c'est plus joli, hein, et je pense que c'est plus rentable pour gagner. Ensuite, ici, coffre-fort. Bon, on sait tous que c'est inutile, mais on va prendre quand même. Voilà, donc là, je suis à combien? Je suis déjà à 4 795 000. Donc là, il va me rester à peu près... allez, 31 millions, ok. Hop, là, les personnels, donc c'est obligatoire. Hein. S'il n'y a pas de personnel, donc il n'y aura pas de travail. Enfin, le travail, ça ne va pas avancer, donc il faut absolument les personnels. Donc, comme je disais, il va me rester les 31 millions. Après, on verra s'il y aura d'autres achats. Bon, ça coûte 5 420 000. Bon, ça va par rapport au précédent. Je prends et j'achète. Voilà. Revenir à la carte, placer le repère. Allez, acheter réussi, félicitations pour l'achat de votre nouvelle casse. Ok, placer le point de repère, revenir à la carte. Ok, donc là, j'ai dit j'étais là. Ok, bon, il faut y aller là-bas. Oh, news travels fast, my friend. Almost as fast as money. Ha! This was a next level investment, I promise you. 4D chess. I'll meet you there. If you don't mind if I let myself in, die good. Bon, il vient d'annoncer que c'est plutôt bonnes affaires, hein, on verra bien. Voilà, je suis sur place, donc c'est ici. Hein. Hop, voilà, donc l'entrepôt que j'ai acheté, il est juste là. Donc, Reds Auto Park Pickup and Auto Salve... Art, part, bon, and sold. Ok, donc ici, j'ai jamais imaginé qu'ici il y aura un truc un jour. Allez, on rentre dans l'entrepôt. Je pense qu'il y aura un petit cinématique comme d'habitude. Ça y est, je m'installe. But baby, don't go anywhere. Yo 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 yo! There you are, my homie. Ya Allah, fucking A. Hope you don't mind. We let ourselves in. But Youssef Amir in the house. Ah, c'est toujours aussi drôle. Youssef, baby, are you okay? Ah bah, il s'est cassé la gueule. Fine, fine. Look, look. Il va bien, il va bien. Ok. Actually, fully intentional. Ah, ne pose pas ton âme sur moi, mec. Oh, yes. Much more than a friend.
the business associate. Ya Allah. Now, could you send Jamal down here, please? Jamal, honey, your cousin wants you downstairs. No, business first. Very good. Let me be the first to congratulate you on all bon, this. All this, serious. Wallahi, is the good chat for real? He's a popping, pop, 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 pop. J'ai pas eu que c'est même pas changé. Tell you why I am here. The world has changed, my friend. You have to be careful what you say now. Not so long ago, it was all the strippers, the fast cars, the coke. Now, it's the strippers, the fast cars, the coke. But no jokes. Though not a problem for you, huh? Is you keep your mouth shut. It's very wise. It's very wise indeed. Let me tell you, it's no wonder I keep hearing about someone with Los Santos in the palm of their hand. No, I say to myself, self, this is someone you should be in the business with. Ah, yes, the world may change, but man's best friend? No, not dogs. Cars. This is why I collect them. Yallah, you know how it is. But as with all collectors, my taste runs to the unique, yes? Cars with a provenance, a history, something no one else has. And to acquire these, I must often use unorthodox channels like you. Jamal! Put your pants back on and come down here! Jamal! You see, Wallahi, my cousin is young. You may not believe this, but I too was once a party boy. Yes. But to be caught with your pants off in a business meeting, can you believe it? Unthinkable. Wallahi, Jamal has a lot to learn from us. Sorry, cuz. My bad. Jamal, you're in the toilet. Jamal, this is embarrassing. What was the first thing I told you about working with your new boss? You said, remember, they have iced a lot of people and often for no reason at all. Okay, good. And the other first thing? It's very bad manners to do najasa in your boss's chop shop. Understand? Sorry. Okay, whoa. But cuz, real talk. I mean, you invited the... Enough! For this kind of thing, you have the apartment my papa bought you. Now come, make a good impression. I want you to take this man under your wing. For too long, his life has been an orgy of drugs and orgies. Non, moi je vais pas te bouler avec moi. In his focus, in his discipline, an apprenticeship, someone to look up to. So I give him to you for free. Jamal, explain the system. Okay, you got it, cuz. So, my cousin Yusuf here keeps a list of all the cars he wants. Now it's my job to stay on top of it and look into how we can get them. So, if I find a way, then I will add it to your list here on the computer. And if you pick one, then all the planning we do, we keep on the DL on the wall here. Show them the light. Wow. It's foolproof, yes. C'est bien imaginé, hein? Right. I'll look after all the research and planning. Where the car is, what approach we use, what kit you need. All you have to do is pull the trigger. And if something goes wrong, you can always blame him. Ha! Now, I must get to my plane. Jamal, get those girls in the car. I need to get to the airport. Ah, yes. Now, you listen. Girls. Once you have a car, you ship it to me. Friends. I will pay you a very fair price. Very fair. Or you can break it down into parts for some quick cash, or keep it for yourself, whatever you want. Take your time. Hurry. You just promise to send me a little present now and then, and I will be happy. Okay, my friend? So, friends I have known for a long time, are we ready? Jamal, you are driving. Hadn't I better stay here with the new boss and show him the computer stuff? Yes, of course. Baby, you wanna drive? Hell yeah. Jamal, put the song on. Come on, cuz, that song is choogy as fuck. No cap. Why don't you let me hook you up with something fire, huh? What's choogy? Jamal, what the fuck do you know? That song is a classic. Now put it on. We rolling, baby. You know this one? Before your time, perhaps. We have a beautiful future, you and I. Some G shit going on. I look forward to you being in touch. Peace out. Let's go. Oh, you should check out the computer stuff. It's all set up for you. Super sweet, bro. Oh, I mean boss. Bon, maintenant que tout est expliqué, nouveau contact, Jamal Amir.
Ok, bon, on va faire une visite locaux, c'est ce que je fais pas souvent. Bon, c'est un peu, c'est enfin, comme d'habitude, hein, voilà, on est chez un dépanneur, un garagiste, tout ce qu'on veut. On a tous les matos qui est là, donc moi, a priori, j'ai pas d'amélioration à faire. Hey, what's good? Tant I'm the guy mieux, who's pulling your parce cars que to j'ai déjà pieces. payé assez, Right? hein, 5 millions, c'est pas rien. Voilà, donc tout ça, oui, j'ai vu que c'est, voilà, ça vaut vachement le prix. Hop, on a deux mécanos, un mécano, ouais, ok, une femme et un homme, et un guetteur. What's Donc lui, ça up? va être mon guetteur. Ok. Ensuite, le bureau. Votre casse va générer des revenus quotidiens supplémentaires qui seront stockés dans votre coffre-fort. Utilisez la dépanneuse pour récupérer régulièrement des véhicules afin d'augmenter ses revenus. Ok. Hop, ici. Bon. C'est mieux, hein. C'est mieux. Vachement. C'est propre. Ça se voit qu'il y a de l'argent. Mais bon, après, c'est juste pour se reposer un temps ou deux. Oh, il y a un petit parti chicha. Oh. Un petit télé. Car, pff, par contre, c'est une vieille télé. Hein. Oh, il est où les 4K là? Je veux le 4K. Virez-moi ça là. Moi, je veux le 4K. Moi, je veux pas de ça, moi. Donc là, si je comprends bien, il faut arnaquer les gens. Le moindre de véhicules mal stationnés, bah, ça fait notre bonne affaire, quoi. Bon, ben voilà, hein, on a fait un Parce petit qu'il est visite, les vite. amis. On a vu, on va dire, côté théorie. Après, bah, la prochaine fois, on va voir côté pratique. En attendant, je vais vous laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas de liker, c'est gratuit. N'hésitez pas de partager cette vidéo, ça vous prend 5 minutes. Et puis toi qui passes par là, qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour ne rien rater sur cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!